Yahoo Yibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour euh, une vidéo Les séries qui, donc c'est la vidéo où je te parle des séries qui commencent en mai et qui m'intéressent et les séries qui vont se terminer pour le mois de mai, pour moi donc avec les séries qui m'intéressent évidemment. Euh, donc forcément il n'y a pas toutes les sorties mais c'est juste les titres qui moi vont m'intéresser et c'est tout. Mais c'est en fait pour te dire aussi quels sont les titres que je suis susceptible d'acheter prochainement. Pour commencer la série, voir ce qu'elle vaut, en faire un critique tome 1, voir une vidéo crash test. Je rappelle les crash tests, c'est quand je parle des deux premiers tomes, surtout quand ils sortent en simultané. Et éventuellement, les séries, euh, une vidéo sur la vie de la série en entier. À savoir que pour les séries qui se terminent, il n'y en a qu'une. Il y a pas mal de yaoi, mais je ne me suis pas encore intéressée aux yaoi parce qu'ils vont sortir en fin de mois et donc j'y regarderai vraiment quand ce sera le moment. Et je sais aussi qu'il y a des hentai qui vont sortir chez Hot Manga. J'ai vu ça sur euh, du coup Manga News. Moi, j'ai regardé sur Manga News et c'est annoncé pour vraiment la fin du mois, vers le 20 et quelques. Et donc forcément, ça, je sais que je les reçois. Donc voilà, je me préoccupe même pas de regarder en fait ce qui sort. J'ai juste aperçu un titre qui m'a beaucoup plu au niveau du titre du hentai. Mais c'est tout, donc euh, voilà, je tiens à faire la petite parenthèse, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de yaoi, c'est que je ne m'y intéresse pas encore. Je m'y intéresserai vraiment quand ça sera au moment de la sortie pour voir ce que j'achète ou ce que j'achète pas. Étant donné aussi que j'ai beaucoup de retard au niveau de mes achats yaoi ben très clairement je n'y ai pas regardé. Donc, on va avoir... Alors, je suis désolée, je l'ai fait en mode comme ça. Hein. D'habitude, il y a le papier, mais là, c'est un entre-deux entre, entre l'application qu'on voit sur côté <laughs> et la feuille derrière. Mais bon. Donc, on va avoir le 4 euh, mai, du coup, L'Extraordinaire Apothicaire. C'est un manga des éditions Delcourt-Tonka, mais ça va dans le genre aventure et fantastique. La série est toujours en cours avec 7 tomes au Japon et on est sur une œuvre H. Concier, ou 12 ans et plus. D'ailleurs, euh, sauf une exception, tout le reste est âge conseillé aux 12 ans et plus, sauf la dernière. Voilà, si jamais... Non, l'avant-dernière. Mais sinon, tout le reste sera con, âge conseillé aux 12 ans et plus, donc c'est cool. C'est qu'il n'y a pas de 14 ou 16 ans, donc ça permet que tout le monde puisse la, les lire. Donc voilà. Euh, ensuite, le 6, je vais avoir une sortie, c'est Primal Gold in Ancienne. Voilà, la prononciation, tu m'excuseras. Euh, Ancien Time, pardon, c'est un manga des éditions Vega, c'est un scénario genre aventure et fantastique encore. La série est toujours en cours avec 4 tomes au Japon et donc h conseillé aux 12 ans et plus. Donc à part celui qui est h conseillé aux 14 ans et plus, je ne vais pas te préciser le 12 ⁇ Ensuite, le 11, on va voir un manga qui a l'air plutôt sympa, c'est Isekai Gourmet Magic Table Clocks. Je ne sais pas du tout comment prononcer le dernier mot. Bref, c'est un manga des éditions Soleil, c'est un shonen. Euh, dans le genre comédie fantastique. La série est terminée en 3 tomes. Et il est H-concis aux 12 ans et plus. J'avais déjà arrêté de le dire. Bref, toujours est-il. Ce qui m'intéresse en fait c'est que c'est un Isekai qui va parler donc de la nourriture. Et en plus, il n'y a qu'en 3 tomes. Donc je me dis ça peut être un petit manga plutôt sympa. Et ça sort vraiment des isekai standards, etc., qu'on a l'habitude de voir et qui nous pompent parce que c'est tout le temps la même chose. Donc là, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, le 11 mai, on aura euh, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Le tome 1, c'est un manga des éditions Pika dans le genre shonen. C'est de la fameuse mangaka ultra connue. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai peur de me confondre encore les syllabes. Mais tu la connais, voilà. Non, genre, Aventure est fantastique. La série est toujours en cours avec 6 tomes. Et à savoir que j'ai lu le premier tome en format numérique. Il y a quelque temps de ça, parce que je... Il y a vraiment un petit moment. Parce que j'avais lu le tome 1 quand j'avais regardé des trucs comme ça, qui étaient sortis de d'auteurs, comme ça, que je lis. Et euh, comme j'avais vu qu'il y avait les, les scans, bah, j'ai regardé. C'était avant l'annonce. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai euh, au mieux, c'est genre le 10 mai, un truc comme ça, d'essayer de poster une vidéo sur mon avis sur le tome 1, sachant que j'ai fait aussi euh, un test d'un autre titre de l'auteur. Euh, voilà, donc je ferai une petite vidéo sur l'auteur, voilà, euh, ou une vidéo critique tome 1 et je l'inclurai dedans. Enfin, voilà. En tout cas, sache que je te présenterai mon avis sur le tome 1 du manga. Ensuite, on va avoir le 12 mai, le manga Le Petit Monde de Mashida. Le volume 1 des éditions Akata. C'est un shoujo dans le genre tranche de vie et romance. La série est terminée en sept tomes. Donc voilà, oh un titre des éditions Akata. Je ne suis pas allée plus loin. Honnêtement, je n'ai même pas lu le résumé. Je t'avoue, j'ai pas lu le résumé. Tiens, Akata Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce que j'ai sur le bras Oui, bon, allez. Ta voilà, voilà. Alors, euh, oui, j'ai d'ailleurs euh, récemment vu que je. Au moment où tu verras cette vidéo, ça a été annoncé, mais ça n'a pas encore été fait, c'est le week-end prochain. Euh, il faut savoir que là, actuellement, je suis en collab avec les... la librairie MOLA pour faire un événement qui sera donc samedi 7 mai. Je t'invite à aller voir leurs réseaux sociaux pour avoir toutes ces informations. Ou aller voir sur mes réseaux sociaux parce que je l'ai posté de partout. Il doit être dans la partie euh, communauté de la chaîne YouTube. Il est euh, posté sur Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, tout, 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 tout. J'ai posté partout le, le, la même info. Donc voilà. Mais euh, du coup... Quel était le rapport J'ai perdu. Ah si, c'est que il euh, y a deux vendeuses avec qui je discute beaucoup par rapport à la collab que je fais avec Mola et euh, elles ont Enfin, il y en a une, elle a, elle a vraiment kiffé l'idée en fait que j'ai le logo de Akata car elle a mon tatoué sur moi parce qu'elle sait qu'il faut aussi Akata. Et euh, d'après ce qu'elle m'a dit, parce que là au moment où je filme, ça n'a pas encore commencé réellement les travaux. Voilà, parce qu'ils sont en train de tout déplacer les mangas. Bref, toujours est-il, la vendeuse en question, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, donc je vais garder le nom pour moi, mais m'a juré qu'elle va faire une, une mise en avant spéciale Akata, qui aurait vraiment un coin spécial Akata, parce que Akata est hors catégorie. En fait, c'est pas un shonen, c'est pas un shoujo, Il n'y a pas de genre en fait chez Akata, et c'est ça qui est beau, et c'est ça que j'aime chez Akata, c'est que les titres n'ont pas réellement de genre. Et c'est voilà, bref, toujours est-il. J'espère en tout cas qu'elle qu pourra réellement faire cette, euh, cette mise en avant spéciale Akata. Donc après on va voir le 13 mai, donc ce tu sais bien c'est que j'ai une sortie quasiment, enfin pas une sortie par jour mais tu vois c'est un titre, un titre C'est pas les avalanches comme je pouvais avoir des fois où j'avais trois ou quatre titres sur une journée, donc c'est plutôt cool On va voir le 13 mai, donc Mordu de toi, le tome 1, donc des éditions Cana, euh, c'est un dans un genre romance et tranche de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Euh, la série est terminée en 6 tomes et il est H tous 12 ans et plus. Euh, lui j'ai bien aimé le titre et j'ai bien aimé vite fait les deux premières lignes que j'en ai lues, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, le 18, on va voir Violence, Action, un manga des éditions, Pika. Euh, c'est un seinen dans le genre action et comédie. La série est toujours en cours avec 6 tomes et c'est ce fameux titre qui est donc âge conseillé aux 14 ans et plus. Voilà, donc c'est le fameux titre qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Euh, franchement, quand j'ai lu le résumé, pareil, je me suis dit, oh mon dieu, il me le faut. Donc j'ai très très hâte. Après euh, franchement si vous avez vraiment besoin euh, Quand les titres là que je vous ai présenté en, en tome 1 qui sortent N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres où vous avez euh, envie d'avoir mon avis Et préciser si c'est un avis par exemple où vous en avez besoin presque tout de suite Ou si vous êtes un peu comme moi vous êtes capable d'attendre un petit peu plus tard que ça sorte etc Parce que ce titre là euh, je pense qu'il est dans le genre un petit peu Halloweenesque Si j'ai bien suivi donc, j'aimerais bien, moi, plus le garder, tu sais, pour faire une critique de plein de tomes qui seraient sortis dans l'année euh, spéciale Halloween, tu vois. Mais après, je peux comprendre qu'il y en ait qui auraient plus besoin hein, pour certains titres. Après, comme on a beaucoup de séries toujours en cours, euh, comme c'est plus de 6 tomes, c'est-à-dire plus d'un an. Donc, voilà, il y a des titres comme ça où je vais euh, peut-être éventuellement m'intéresser au tome 1. Mais, euh, comment dire, là, le mois de mai, moi, j'ai certaines priorités. Euh, pareil un petit peu sûrement sur début juin Donc euh, voilà après ça sera plus vers septembre Je pense que je... ou fin août Tu vois fin août où je rattrape tout ce que j'ai loupé en, euh, en critique Tom 1 en début d'année Mais sinon je... voilà Il se peut qu'il y ait pas mal de trucs comme ça qui sautent Est-ce que mon but aussi cette année C'était vraiment de défoncer ma pile à lire J'ai foutu une belle claque Quand même déjà Et euh, on va essayer de continuer Sur cette lancée Bref le 25 on va avoir Dress of... Illusial Monster bref c'est un manga des éditions Soleil, c'est un saigné dans le genre aventure et fantastique âge conseillé aux 12 ans et plus, c'est une série terminée en 4 tomes, donc voilà je veux pas en dire plus, et donc pour ce qui est de la série qui se termine pour moi pour le mois de mai, ça va être Denjin, N je sais pas du tout comment on peut le prononcer, c'est une série donc qui est terminée en 4 tomes des éditions Pika, c'est un saigné dans le genre fantastique et trailer, euh, âge conseillé aux 14 ans et plus. Et à savoir, en ce qui concerne ce titre, c'est que c'est l'auteur d'un autre manga que j'ai présenté sur ma chaîne. Euh, un manga que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et donc j'ai vraiment très très hâte de le lire, d'ailleurs si jamais quelqu'un a déjà commencé à lire la série, qui a lu un voire jusqu'au tome 3, n'hésitez pas à me faire un retour parce que moi en fait j'attends de voir certaines personnes au niveau des retours pour savoir si je l'achète ou pas et de toute façon il ne sera pas présenté avant septembre vu que c'est un titre halloweenesque. Mais voilà en tout cas j'ai très très hâte de découvrir ce qui peut valoir. Cette vidéo, euh, les séries qui commencent et se terminent pour le mois de mai, donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quelles sont toi les séries qui vont commencer, et qui se terminent pour toi et qui t'intéressent. Euh, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma précédente vidéo ici, une vidéo que je te mets en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, des codes promo pour pas mal de sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux et d'autres informations. Sur ce, à bientôt.